Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo aquarelle où je vais vous présenter des aquarelles de comptoir d'aquarelle parce que j'ai reçu ma commande hier soir. Et j'ai reswatché du coup tout. Désolée. On va couper les notifications, les filles. Faut arrêtez s'il vous plaît. Cheryl, ça suffit. Donc, oui, j'ai re-swatché tout. Voilà, je voudrais refaire des beaux swatchs et tout. Parce que, voilà. Ça, c'est les swatchs que j'avais fait lors de l'ouverture de mon calendrier de l'Avent. Vous voyez pas, en fait. Parce que, voilà, comptoir d'aquarelle, je commande chez elle depuis l'année dernière. C'est ma soeur qui me l'a fait découverte. Qui me l'a fait découvrir. Je l'ai découverte grâce à ma sœur, on va y arriver. Voilà. Ma sœur m'a dit, ouais, j'ai commandé mon calendrier de l'Avent, nanana. J'ai fait, bah, moi aussi j'en veux un. T'as pris ça où? Donc, chez Comptoir d'Aquarelle, Bulle Créative. Donc, et ben, moi j'en avais pris un aussi. Et ben, voilà, ça c'est toutes les aquarelles que j'ai eues. Ça s'arrête. Je sais plus où, parce que ma sœur m'en avait commandé, je pense que ça s'arrête au 26. Et ça, c'est les aquarelles que ma soeur m'avait commandées, me semble-t-il. Parce que voilà, elle m'en avait en plus commandé pour Noël. Celles qui n'ont pas de nom, c'est celles qui ont été créées uniquement pour le calendrier de l'Avent et qui ne sont pas forcément re. Enfin, si, il y en a certaines qui doivent. Enfin, bon, je pense que vous pouvez quand même en demander. C'est celle-ci qui n'est plus fabriquée, c'est sûr, la graphite n'est plus produite, fabriquée. Mais bon. Je vais vous les montrer dans. Mieux swatché, parce que bon, là, c'était vraiment des swatchs à la va-vite et machin. Et hein, je les ai refaits hier. Je me suis amusée à faire ça. Voilà ce que j'ai fait pendant le live de Taz. Voilà, ça y est, ça me revient. C'est ça que j'ai fait. Donc, je les ai. J'ai utilisé les nuanciers de Panoramimix. Je vous mettrai le lien en barre d'information. Je les trouve vraiment bien pour la peinture. Vraiment. Donc on a le lilas astral. Voilà. Tout ce qui est astral, ça va être irisé au. Avec de l'argenté dedans. Oh, pourquoi il m'enlève la luminosité à chaque fois? Il me saoule. Putain, on n'est vraiment pas aidé. Hein, comment je peux la cam bureau? Qu'est-ce que je peux mettre? Non, je peux pas rajouter de filtre. Non. Mais moi, je voudrais bien rajouter de la luminosité quand même. Hop. Hop. Donc. Ça va, vous voyez les paillettes quand même. Donc, le lilas astral. Le turquoise clair avec ses paillettes. J'adore. Je vais vous montrer les godets. Parce que j'ai différents godets. Voilà. Toutes celles-ci. C'est comptoir d'aquarelle. Toutes celles-ci. Hier, j'ai reçu celles-ci. J'avais commandé que ces trois-là. Hein. Mais comme d'habitude, Mathilde est généreuse. Mathilde m'a offert un godet. Voilà. Donc j'ai toutes les tailles. J'ai toutes les tailles. Et j'aime trop. Là, vous avez Grimoire, on le reconnaît bien, lui. Il est magnifique, Grimoire. Je l'ai utilisé pour mon fond mouchou. Ah, c'est dans lequel? C'est dans le art déco. Et qui bien entendu, c'était le dernier. Non, c'est pas dans l'art déco, c'est dans le portrait. Voilà. Ça va, Mela? Voilà, le mouchou. Ah, vous voyez, en fond, c'est Grimoire. Trop bio. Il est trop bio. Donc, Grimoire que vous verrez plus loin, du coup. Mais voilà, j'ai reswatché hier et oh là 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 là, j'aime beaucoup ces phares, ces aquarelles pailletées. Indigo, ah, celui-ci,
Mais je suis pas sûre que. Je sais peut-être à l'indigo ou pailleté. Hein. Elle a peut-être en a peut-être deux. Seine. L'or et le hors champagne. Hop, après c'était quoi comme couleur que je voulais. Faudra peut-être que je vous les montre dans l'ordre parce que l'on avait quoi? Marron glacé, l'indigo, après on a sur le graphite. Alors, voilà. Donc oui, le graphite, lui, n'est plus fabriqué. Le cosmos, vous voyez comment il est beau. Le préastral, vous avez toujours ce petit voile dessus iridescent. J'aime beaucoup celui-ci aussi, mais il est à la fois. Ah, oh, mais c'est quoi cette. Ça me saoule. Ça enlève la luminosité comme ça. Alors que ça n'a pas bougé là dans les réglages. Je peux pas cocher automatique de toute façon. C'est le balance de blanc qui se fait, c'est quoi? Oh là là. On va mettre de la luminosité. Qu'est-ce que ça donne? Vous voyez, il a à la fois. Ça dépend comment vous voyez. Il a un coup rose. Bah, je l'aime beaucoup. Là, grimoire. Regardez-moi ça. Il est magnifique. L'orange plus cobalt. Mu. J'aime beaucoup aussi. Après, on va sur quoi? Celui-ci, je crois. Quoique. J'ai un doute. Non, ça, c'est la dernière. C'est celle-ci. Donc oui, j'ai eu un problème d'imprimante. Hein. On adore. Donc bleu Maya, nuit polaire, le bleu sarcelle. Le bleu sarcelle, il est ouf. Marron glacé. Je lui ai demandé, c'est bien un marron glacé? Elle me fait oui, c'est marron glacé. Ben, je l'aurais pas appelé comme ça, moi. Violet manganèse. Voyez là, le violet qu'il y a dans le rose. Non, je les aime beaucoup. Hop. Et la dernière planche. Donc on a Yona, mercredi, rouge laqué foncé. Bah Pan qui elle m'a offert du coup. Moi j'avais commandé Mio, Mauve Dios Casine. Elle m'a fait un noir astral. Et je lui avais demandé un noir. Parce que j'avais pas de noir. Donc je voulais pour mes fonds, pouvoir mettre du noir sur les bords. Voilà. Mais je pense que le noir astral, je vais rajouter des paillettes libres dedans. J'ai des paillettes. Je voudrais. Je pense que je vais. J'ai même des paillettes noires. Donc à mon avis, quand je vais le l'humidifier de temps en temps, je vais rajouter des paillettes. Mais j'aime trop. J'aime trop. Voilà. Donc si jamais vous avez des idées de couleurs, que vous n'arrivez pas à trouver une couleur quelque part, essayez de voir avec elle pour qu'elle vous la crée. Il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup. Bon, les paillettes, voilà. Donc ouais, je vais pouvoir découper et les mettre en. Les relier avec un petit nœud. Comme ça, je pourrais, même si j'en recommande, je pourrais détacher, réattacher au gré des dernières arrivées. Oui, donc c'est bien emballé. Hein. Je vous mets ça dans une petite boîte. Et les aquarelles sont avec du scotch double face qui tient vraiment bien. Hein. J'ai vraiment eu du mal à les détacher hier soir. Mais voilà, vous avez votre petite facture et tout, il n'y a pas de souci. Je voulais pas abîmer la tibois boîte. Voilà. Trop mims. Donc ouais. Je suis contente et j'espère qu'elle refera un calendrier de l'avant. Parce que je reprendrai. Parce que j'ai vraiment trop aimé ouvrir tous les jours mon petit truc pour découvrir un petit godet de les petites papillotes, tout ça, tout ça. C'était trop bien. Donc cette année, je sais que je me reprendrai un calendrier d'aquarelle. Parce que bah, c'est trop le fun. Voilà. J'aime trop. J'aime trop.
Donc oui, il y a des petits bébés. Il y a des petits bébés godets, il y a les grandes sœurs, et puis il y a les papas, les mamans. Voilà. C'est trop bio. Donc voilà, pour Couturier d'aquarelle. Je vous mettrai ces liens du coup en barre d'information si jamais ça vous intéresse. Elle a une boutique Etsy, mais elle peut vous faire passer via SeamUp aussi si comme ça lui fait peut-être plus d'argent pour elle dans ses poches. Moi, c'est ce que je passe par SeamUp généralement. Voilà, comme ça elle touche plus d'argent, mais voilà. N'hésitez pas à la suivre sur Bulle Créative sur Instagram où elle met les dernières créations qu'elle fait. Et n'hésitez pas à aller la voir en MP pour lui demander si elle peut vous faire telle ou telle couleur. Elle vous répondra bien gentiment. Je ne sais pas pourquoi je commence à parler du nez. Voilà. Ça va être les allergies qui vont arriver, sûrement. Donc voilà pour ma petite découverte de bulles créatives de comptoir d'aquarelle. Même sa petite carte, elle est. Donc, voilà. C'est tout pour moi. Et c'est pas un partenariat, hein. Je paye mes aquarelles, hein. C'est juste que, voilà, je veux qu'elle travaille, cette jeune femme. Parce qu'elle a un travail à côté, elle aimerait bien que ça devienne sa principale activité. Elle aimerait bien qu'elle continue, qu'elle n'arrête pas, hein. Qu'elle continue de nous créer des belles petites pépites. Et voilà. Parce que c'est cool quand même d'avoir quelqu'un qui fabrique les aquarelles que toi t'as envie d'avoir chez toi, hein. Mais voilà, j'aime bien. Je vais découper ça. Je vais me faire mes petits. Je sais pas quel ruban je vais utiliser. Je sais pas encore. Les derniers rubans qui étaient vendus chez Action, ils étaient pas ouf, hein. J'ai pas regardé ce qu'ils proposaient sur AliExpress ou Temu. Après, je regarde un peu. Du coup, celle-ci, je pense que je vais les. Bon, je vais pas les jeter parce que je sais pas jeter ces trucs-là, moi. Mais. Hop, ça rentre dans la boîte. Ça rentre pas dans la boîte. Sacrilège. Non, ça rentre pas. Et bah, tant pis. Je vais leur trouver un endroit. Mais ouais, je vais découper ça et me mettre bien. Du coup, elle m'a dit, mais celles qui n'ont pas de nom, tu peux leur en donner un. Mais moi et mon imagination, je sais pas trop comment je vais les appeler. Mais ça sera des aquarelles. Il n'y a que moi qui les ai. Voili, voilou. Donc moi, je vous fais des bisous. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Et faites-nous des beaux colos. Jamais vous craquez pour des aquarelles. Comptoir d'aquarelle, n'hésitez pas à me montrer ce que vous avez pris, vous. Voilà. Des gros bisous. À très bientôt. Bye bye.